Là. Zitsam, nous voici dans l'au-delà. Nulle vie est li... ou nulle vie est visible. Pardon. Bonjour. C'est une faucheuse. Ah ouais, carrément! C'est la mort. Serais-tu la mort? Je croyais que la légende du premier corbeau n'était qu'une invention délirante des corbeaux libres. Oui, eh bien, ça doit être moi alors. Alors, si tu ne croyais pas à mon existence, j'en déduis que tu n'es pas là pour me sauver, hein? Non, désolé, nous venons pour une autre raison. En fait, tu pourrais peut-être nous aider. Eh bien, c'est un peu cavalier, mais j'accepte. C'est vrai que ce sont quelques minutes après plusieurs siècles. C'est vrai, que sont quelques minutes après plusieurs siècles, pardon. Alors, pourquoi êtes-vous là? Et comment êtes-vous arrivé juste? Nous cherchons des âmes qui ont franchi la porte de... Enfin, ta porte. Nous sommes des faucheurs en service. Nous avons besoin de ces âmes pour achever notre mission et redorer notre blason auprès de la commission. Sinon, nous mourrons. Oh, ce serait trop bête. Si vous cherchez une âme ici, vous n'avez pas de chance. Toutes les âmes non corporelles qui passent la porte disparaissent dans l'éther. L'énergie animique doit être recyclée pour créer la vie. C'est pour ça que mon travail était aussi important. Mais les vivants me détestaient pour ça. Oh... Oh, chaton! J'allais récolter les âmes moi-même, puis je les emportais au-delà du voile. Mais c'était tellement déprimant. Oh, mais gros! Y'a les mimes. La mort qui fait une déprime! Non! Pas pour les âmes, elles s'en moquaient, mais pour les vivants qu'elles laissaient derrière elles. J'aimerais leur dire que la mort n'a rien d'effrayant, que c'est le cycle de la vie. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un temps infini, j'en ai eu vraiment assez de ce cycle. Et puis un jour, une étrange créature est venue me faire une proposition. Elle pouvait créer des portails, des portes, vers n'importe quel endroit. Elle m'a proposé de s'occuper de la récolte des âmes grâce à un système automatique par une de ses portes. Une fois ouverte, elle attirait les âmes des morts, comme une sorte de phare sur les rives de l'éther, si tu veux. En échange, elle m'a demandé de rallonger sa vie. Enfin, en réalité, elle voulait l'immortalité, mais c'était impossible. Si les âmes restent trop longtemps après leur date d'expiration, elles n'ont plus de lien avec leur mortalité et prennent des formes démoniaques. Toute vie doit avoir une fin, enfin, un jour ou l'autre. Alors je me la suis coulée douce, et plusieurs générations de ces maîtres des portes autoproclamés ont profité d'une vie anormalement longue. Ils finirent par accepter les limitations de la vie et de partir dans l'éther de leur plein gré. Jusqu'au jour où l'un d'eux refusa. Ce qui nous amena à votre maître des portes actuel. Alors qu'approchait la fin de sa longue existence, il a rompu notre ancien accord. Il disait qu'il y avait eu un incident, que la porte avait mal fonctionné et devait être reconstruite. Pour pouvoir la reconstruire, il lui fallait le toucher de la mort pour que la porte soit liée à l'éther. Pardon. J'ai un nouveau boss en fait. Mais après avoir créé ou ouvert cette nouvelle porte, il m'a poussé à l'intérieur avant de la déverrouiller. Je ne pouvais plus m'enfuir. Moyen pour les âmes égarées de s'en aller dans les terres. Plus de morts parmi les vivants ou plus de morts? Bah, plus de morts parmi les vivants. C'est vrai qu'il a une banane. Et depuis ce jour, je suis là, tout seul. Toute seule, pardon. Bah, c'est la mort. Mais l'âme qu'on m'a affectée, elle doit être ici. Elle est sûrement ici. Je suis venu jusqu'à cette porte. Elle a dû trouver un moyen d'entrer. Tu es sûr que tu ne l'as pas vue? Désolé mon vieux, si une âme vient ici dans son corps, elle disparaît dans l'éther. Tôt ou tard, tout ce qui a commencé a eu une fin. Mais alors, il n'y a aucun espoir, elle doit être encore là, quelque part. C'est un haineux. Non, 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 non. J'ai passé tellement de temps à chercher cette âme, des années, des siècles. Je refuse de mourir. Oh je sens que tu as légèrement dépassé ta date de péremption. Oh non! Oh oh. Oh putain! Mais attends, mais moi j'étais gentil!
Oh le bâtard, j'ai mal joué. La musique qui s'arrête comme ça, c'est violent. C'est... Bah bien sûr que je vais recommencer gros. J'ai été bloqué? Oh, je le somme un peu. Mais gros, wesh. En fait, là pour le coup, je sais pas c'est quoi mon timing pour le taper, tu vois. Et ça c'est chiant. Ouais. Casse les couilles. C'est un auto. Casse les couilles. Connard de corbeau là. Je me fais chier 15 ans pour trouver tes putains de trucs. Pardon, c'est quoi qui me touche? My bad, putain. C'est pas mon timing, je le connais pas, j'arrive pas à le comprendre aussi. Putain de merde. Ah. Parce que là par exemple il me touche de derrière. Donc je sais pas vraiment. C'est assez dur de le viser en vrai. Le bâtard. Oh mais gros, mais allô.
Genre j'arrive pas à le viser quand en tirant les trucs. Il y a des pigeons, je sais pas si ça fait un truc. Non! Ah putain, mais les pigeons ils s'accrochent à moi, je suis long! Oh nique ta mère, hein! Au moins on a compris et vas-y. Non, on n'a pas compris. En vrai, si on a compris, genre. Attendez, on peut recommencer. Vas-y, fume-moi. On refait. Ça va. On a compris, faut pas jouer au. Faut pas le toucher à la main, quoi. Faut juste lui mettre des flèches et. Et voilà. Et lui réussir à toucher ça là, mais... En fait, il me fait trop peur, wesh. Ok, il file. Putain, je pouvais le détruire. Mais nique ta mère!
Nique ta mère le corbeau. Nique ta mère, j'arrive. Oh. Unox. Qu'est-ce que... T'imagines pas depuis combien de temps je n'ai pas senti le vent sur mon visage ou que j'ai vu, eh bien, quelque chose. On apprécie vraiment les choses que quand on les a plus, pas vrai? J'ai souvent vu dans... J'ai souvent vu ça dans mon bureau. Dans mon boulot. Mais avant que ton maître des portes m'enferme, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je regrette pour ton gros tamis à plumes. Les vivants ont toujours du mal à laisser partir les morts. C'est encore plus dur pour toi, tu as dû le tuer toi-même. C'est archi pas mon pote. Archi pas mon pote, c'est un fils de... Hein. C'est de sa faute, c'est absolument de sa faute si je suis là. Et là, c'est tranquille, je peux comprendre ce que tu ressens. Même si ce n'était pas ton intention, tu m'as rendu un grand service, corbeau. Mais ce n'est pas encore fini. Car même si la porte est bel et bien détruite, mon pouvoir est malheureusement enfermé dans ce qu'il en reste. Pour forger la porte, il a fallu un fragment de mon âme et j'en ai besoin si je veux me remettre au travail. Et donc, pour mettre fin à ceci, quelqu'un doit... D'autre doit vaincre le maître des portes. Tu as déjà deviné qui c'est? Je ne ferai plus jamais de marché avec quiconque en tout cas. Retourne à ton bureau et récolte l'âme de ton patron, corbeau. Et n'oublie pas, la mort est avec toi. Oh le fils de pute. Oh le fils de... C'est mon patron qui est un fils de pute. Oh mon dieu, ce bâtard. Depuis tout ce temps, c'est un chien. Sérieux là? Oh putain, on a fait tout ça pour... Tu te casses ta mire toi. Tu prends pour tout le monde, c'est pas grave. Ah le bâtard! Collègue corbeau, nous voici arrivés à l'instant de l'ancienne prédiction. Aujourd'hui, la porte de la mort s'est ouverte et la mort a été libérée pour revenir dans ce monde, pardon. N'ayez pas peur car ce n'est pas la fin mais le début d'un avenir plus radieux. La force de la vie et de la mort ont été précipitées dans le chaos pendant des millénaires et les corbeaux ont joué un rôle dans tout ça. Nous devons racheter nos fautes. Nous devons accepter notre destin. Nous devons rejeter ceux qui nous entraînent vers un avenir sans espoir. Il est temps de mettre fin au règne des maîtres des portes et de revenir au cycle naturel de la vie. Alors même que notre monde vacille au bord du néant, des âmes comme ces esprits de la forêt parviennent à émerger de ses fissures. Une nouvelle ère s'annonce et le monde rouvrira à nouveau de vie. Pour y parvenir, les dernières heures de cette journée doivent se dérouler selon la prédiction. Le corbeau qui a libéré la mort devra mettre fin au règne du maître des portes. Oh putain, c'est moi le con. Salut. C'est une grande porte. Ouais. T'as rien à me dire? Je suis certain que tu accompliras ta tâche, mon vieil ami. Tu dois avoir foi en toi. Pas de soucis, mec. Tu peux me lâcher le petit truc vert, là? On n'est pas potes et tu me colles. J'aime pas trop ça. J'aime bien vivre seul. Je t'avais à l'œil, jeune corbeau. Je ne pensais que nous en arriverions là. Et pourtant, c'est le cas. Oh putain, pourquoi il rajoute pas un pas? Je ne pensais pas, comme tout le monde, merde quoi. Chacun de mes semblables a été créé par le maître qui lui précédait et entraîné à assumer ses fonctions avant sa mort. Le jour de notre création, la date de notre mort nous est annoncée. Mon prédécesseur, mon créateur, était un tyran cruel, obsédé par les règles et l'ordre, par ce qu'il appelait l'ordre des choses. Ce vieux cinglé ne m'a jamais donné ton nom. Tu imagines... Tu imagines un peu. Comment vivrais-tu si tu connaissais la date exacte de ta mort? Si chaque instant de ton existence dépendait de cette fin, j'ai dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me préserver. Je sais que ce que j'ai fait est immoral et difficile à justifier. Mais je ne peux pas me laisser mourir. Je refuse de partir sans me battre. Alors, jeune corbeau, es-tu prêt à te battre pour ta vie, comme je le suis? Mais gros, je viens de me battre contre un putain de corbeau géant.
Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? T'es un bâtard, gros. Monsieur l'arbitre. Mérité. Mérité de fou même. Ah, on réessaye bien sûr qu'on réessaye. Merci encore de quoi, Jamaica? Je voulais écrire sur Discord. Ah ah. Ah, ça me remet ici. Non mais gros, putain! You're weird. Oh, je peux pas le touch, tout ça, il vient de m'envoyer sur...
Il vient de me renvoyer sur le truc. Putain, me dis pas que ça me remet au début. Oh mon dieu, mon dieu. Ok, on est bien là. C'est trop chiant. Ils m'ont remis full HP. Là, je pense que ça... Oula. Pourquoi sommes-nous là, jeune corbeau? Pourquoi est-ce que j'existe? Pour suivre les traces des maîtres de porte avant moi?
Pour refaire sans cesse les mêmes choses, dans quel but? À quoi bon, si nous devons tous mourir un jour? Que je ne le saurai jamais, pardon. Parce que je ne mourrai jamais. C'est encore un délire avec un laser, ça! Le dernier maître des portes. Je vais quand même enlever un peu d'HP déjà, non? 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 Toujours pas? Apparemment, non. Oh, le bâtard! Non mais attends, mais c'est de la triche ça! Mais on est où? Ah mais en fait, ce qu'il y a eu avant, c'était juste... c'était chill. Ouais, c'était chill. Mais gros, je viens de commencer! Nique ta mère, hein, vraiment. Ça me touche. Ça me retouche. Oh là 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 là. Alors là, ouais, ça va pas être fun. Ça me retouche, gros. Ça me redouche. Redouche. Nique ta mère. Oh là 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 là, il va être tellement chiant, lui. Mais gros, ça vient de commencer. Je peux à peine te dodge, espèce de chien. Vas-y, viens, on va. Bats-toi main nue, non? Bon, après, je suis avec des dagues, mais t'as compris. T'es là aussi, t'appelles ta grand-mère, va te faire enculer, non? J'en peux plus, j'en peux plus. Regarde, oh! Amir. Ça va, dans tous les jeux, dès qu'il y a un boss, ils sont suréquipés. Pourquoi moi je suis pas suréquipé, hein? Déjà pourquoi je suis un corbeau? Ensuite de ça pourquoi j'ai que deux putains de dagues? Donnez-moi plus de dagues, je sais pas. Comme tout le monde, non? Donnez-moi de vraies armes. Lui il peut rouler, il peut rouler. C'est un humain, il peut rouler. Je suis un corbeau, je peux pas voler. Ça le fait, ça le fait. Jouer, tu peux les dodge. Jouer, tu peux les dodge. Non, j'avais trop bien joué. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Non, ouais, si, il y a moyen d'avoir deux vies en plus, normalement, je crois. Putain! Les grands morts, connard! C'est...
Allez. Ah merde. Alors gros débile. On fait moins le malin hein. On fait moins le malin quand on est un petit bouffon hein. Ah ça utilise des sortilèges tout ça pour tuer un corbeau hein. Bah t'es bien une salope. Pour tuer un corbeau gros hein. Un corbeau hein. Ça m'a touché. Non, pas re ça, gros. Franchement, ta pute de merde, c'était... Faut pas que je me mette dans un putain de coin là, quand il y a ces conneries. Sombre pute, toi. Pute. Je te déteste et personne ne t'aime. Frère, oublie pas, t'as vraiment... T'as même pas de prénom, tu me bats. C'est cool quand tu spawns, regarde, il prend le temps de se relever. Et vas-y, enchaîne gros. Enchaîne, tu vois bien que j'ai envie de te casser déjà là. Allez, c'est pour nous. Thank you.
Nique ta mère. Pas normal. Il était super lourd, oui, je sais. Je sais. Nique ta mère. Allez, remets ton truc en l'air, voilà, comme d'hab. Non mais ça, franchement, c'est bullshit. Ah, putain. Oh, ça me tilt. Wesh, bah, parfois, ça, le truc est facile à esquiver en soi. Parfois ça change juste de route. C'est pas pourquoi le truc change de route, c'est un plaisir. Oh. Nique ta mère. Vraiment, toi quand je vais te fumer, hein, la tête de ma mère, si l'autre il vient parler en mode oh gnu gnu gnu. Oh gnu gnu gnu. On va le regretter, gnu gnu. Non, on va pas le regretter, c'est un chien. Eh ouais. Anticipe un truc, genre il est trop intelligent l'ordi, c'est pas possible. Putain de merde. J'ai une envie, c'est me battre IRL là. Hein. Et encore les trucs roses là, allez. Ouais, baisse ta mère. Ah, c'est un putain de sac à PV. Genre, c'est relou, quoi. Je sais pas, la bombe, ça sert à rien, c'est sûr. Et non, je pense que l'arc, c'est le mieux, hein. C'est le plus rapide parce que la boule de feu, c'est lent à incanter. Ça me casse les couilles. Genre, c'est pas worse du tout. Tu vois, regarde, là, je suis baisé, genre.
Y'a pas de counterplay à ça, il me met dans un corner. Oh. Same shit ici. Oh là là, vas-y, ça me saoule. Pour les armes, ça sert à rien. C'est... La dague, c'est ce qui te permet d'avoir le plus vite de récupérer tes flèches et tout. On avait un marteau qui était stylé, genre une sorte de marteau de Thor, mais il est claqué au sol. Genre, tu mets trop de temps à taper avec. C'est genre, c'est horrible. Je peux pas aller vers lui et taper rapidement et repartir en fait avec les autres. Donc ça rend le truc archi pas worse. Alors que j'étais trop content d'avoir le marteau de Thor, je pensais qu'il allait être insane. Mais non. Il y a un monde où ça le fait. S'il te plaît. Oh non. Ça va être l'épisode 2 de Il a en HP et je me fais baiser. Oh non, je l'ai eu. Oh la putain de ma mère. Oh là 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 là. J'ai envie de tout casser. Bah, prends tes dagues et va lui percer l'œil. Non, tu t'arrêtes pas là, il nous a trop fait chier. Prends tes dagues, va lui percer l'œil. Il a pas d'œil, c'est pas grave, va le piquer n'importe où tu peux, tu vas le piquer. Même maintenant qu'il est mort, je m'en bats les couilles. C'est pas fini du tout. Je lis pas, nique ta merde. Je peux le fumer là. Il est venu pour dire briser les rotules, mais fais lui tout là, on est plus aux rotules près. Tu lui brises les rotules, tu lui craches dessus, tu lui fais tout ce que tu le piétines. Tu mets des coups de pied dans le ventre, je sais pas, fais un autre truc que juste le tuer. Oh, mourir. En plus là on lui rend hommage hein. On lui rend hommage.
s'incline pas en sa mémoire. Je m'incline en la mémoire de la mort, tu vois. La mort, trop de flou. Il a l'air super gentil, on s'incline en sa mémoire, y'a aucun souci. Wow. Oh non, je suis deg. Et maintenant, je veux un jeu avec la mort. Mais qu'avec la mort. Ouah, conception du jeu, programmation, histoire et scénario, animation, c'est un seul mec qui a tout fait ? Ouais, c'était lourd comme jeu, sauf la fin. J'ai envie de tout casser, hein. Les musiques elles sont incroyables, hein. Les musiques elles sont insane, hein. Et je pense que je dois être qu'à 70% du jeu, un truc comme ça, hein. Il y a plein de trucs que j'ai pas dû avoir, tu vois. Voilà, ça c'est ce qu'il mérite, tu vois. On le ramasse comme ça, comme une salope. Par contre, il a laissé une clé. On peut pas voir à combien de pourcents je suis. Tu vois, il me manque tout ça là. Et il me manque une arme. Il y a une arme que j'ai pas trouvée. Ouais, mais après, c'est des trucs annexes quoi. Le hook est un peu flemme de tout chercher, hein, je vais pas te cacher. Oh, attends. Quand on a le marteau, on peut pas le casser? Ah ouais. Un peu déçu. T'arrêtes là du coup pour le jeu? Bah ouais, je pense, hein. Au final, là, on l'a fini. Je pense pas qu'il y a autre chose à faire, tu vois. Et donc, c'est vide là-bas.
Ah merde, ouais, la clé par terre. Putain, en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est, tu vois, c'est un des trucs qui est là, non? Ouais, elle est là. Et après, je me demande si tous les trucs rouges... Qu'est-ce que signifie le truc rouge? C'est là où je dois aller trouver quelque chose, non? À mon avis. À mon avis, c'est ça. À mon avis, j'ai tort aussi, hein. Ouais, à mon avis, j'ai tort. Non, bah voilà, hein, on a fini, hein.